pour nous. Read for us. 1 Chronique. 1 Chronicles. Chapitre 4, verset 10. Chapter 4, verse 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Amen. Amen. Nous allons. We are going. Intercéder pour nous-mêmes et pour nos familles. To intercede for ourselves and our families. Mais nous allons imiter Jaébet. But we are going to imitate Jaébet. Il avait fait un vœu à Dieu. He did a vow to God. Read again. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Cried out to the God of Israel. En disant. Saying. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Si tu me bénis et que tu étends mes limites. If you bless me and enlarge my limits. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. If your hand is with me. Et si tu me préserves du malheur. Et si tu me préserves du malheur. And if you protect me from any harms. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. So that I have no pains. Point et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Tu vas remplir là où il y a les points de suspension là. Where there are dots, you will fill it yourself. Le Saint-Esprit a laissé ça pour toi. The Holy Spirit left it for you. Tu vas compléter. You will mais complete. Pas en écrivant dans la Bible. Not writing in your Bible. Tu ajoutes ta part. Lui, il a demandé sa part, mais he tu complètes. He asked his part. En ajoutant ta part. Si tu veux te marier, tu me donnes un mari. If you want to get married, you say, if you give me an husband. Si tu me guéris de cette maladie. If you heal me from this sickness. Si tu me délivres de cette adversité. If you deliver me from this adversity. Si tu me délivres de cet homme qui veut à tout prix me tuer. If you deliver me from this man who wants to kill me anyway. Prends le temps, écris ça. Take the complète time la prière. And complete the et prayer la Bible Shabbos. And the Bible says, l'Éternel l'exauça. The Lord granted his prayer. Dieu va nous exaucer. God will grant our prayers. Tu relis pour comprendre. Read it again to understand. Et tu complètes. And you complete. Si tu me bénis et que tu étends mes limites. If you bless me and extend my limits. Si ta main est avec moi. If your hand is with me. Si tu me préserves du malheur. If you protect me from any harms. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. So that I don't have pains. Etc. And so on. Et l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. And the Lord granted Jabez prayers. C'est un vœu. It's a vow. Je te ferai telle chose. Je te ferai telle chose. I will do this and that thing to you, for you. Le Saint-Esprit n'a pas permis que tu sois influencé par ce que Jabez avait demandé. The Holy Spirit won't allow you to be influenced. Par ce qu'il avait promis, pardon. Son vœu n'est pas révélé. His vow is not revealed. Donc si tu gardes le tien secret. So you keep yours secret. Un jeune homme peut dire, tu me
D'autres choses, je vais en mission. A young man can say, you give me such thing, I will go on mission. Je vais en mission. I go on mission. Un autre peut dire, je te donne 1 million. Another one can say, I will give you 1 million. Ou 100 million. Or 100 million. Il est écrit, faites des vœux à l'Éternel et accomplissez-les. It is written, do vow to the Lord and complete them. Beaucoup d'intercessions sont faibles parce que quand les gens doivent aller plus loin, ils sont cupides, ils arrêtent. Many intercessions are weak because when people can go, must go further, they are greedy and they stop. Ils ont peur de faire des vœux. They are scared of doing vows. Parce qu'il y a l'amour de l'argent. Because there is love for money. Le vœu n'est pas nécessairement l'argent. Vow is not necessarily money. Anne a fait le vœu. Anne a fait le vœu. Anne did a vow. Que je vais te donner cet enfant. I will give you this son. Si tu as déjà fini. If you already finished. Tu te tiens debout. On va présenter. You stand up. We're going to show nos prières et nos vœux. Our prayers and our vows. Tenons-nous debout. Let's stand up. Parle sincèrement et simplement à Dieu. Talk sincerely and simply to God. Il n'est pas fâché. He is not angry. Il est compatissant. He is compassionate. Miséricordieux. Merciful. Lent à la colère. Riche en bonté. Late to get angry. Il exauce les prières de son peuple. Il exauce nos prières. He grants our prayers. Il écoute nos cris. He listens to our cries. Prions ensemble. Let's pray together. Tu as ta liste de besoins. You have your list of needs. Et tu as ton vœu. And you have your vow. Si tu es coincé par les voisins, tu te détaches. If you are blocked by your neighbors, un espace agréable, you go vaste. Far. We have a large space. Dis, oh Père. Say, oh Father. Écoute ma voix. Listen to my voice. Tu peux commencer à parler si tu fais ceci, si tu fais ceci. You can start speaking if you do so, si if you do ça, that, si tu fais ça, si if tu you fais do ça, this. Si tu me donnes ceci, si tu if me donnes cela. If you give me this, if you give me that. Je te donnerai telle chose. I will give you such thing. Jacob a dit, je te paierai la dîme de tout. Jacob said, I will pay the tithe of everything to you. Et je viendrai t'adorer ici. And I will come and worship et here. Et Dieu a exaucé. And God answered this prayer. Et Dieu pouvait lui dire. And God could tell him. Va à Bethel. Go to Bethel. Et demeure-y. And remain over there. C'est une transaction avec Dieu. It's a transaction with God. Ça demande la foi. It requires faith. Ça demande la foi. It requires faith. Tous ceux qui ont fait des vœux au All Seigneur. Those who did a vow to the Lord. Dans la Bible. In the Bible. Ont été exaucés. Had been granted. Ne dis pas dans ton cœur. Don't say in your heart. Je ne veux pas prendre des vœux. Je ne veux pas faire des vœux. I don't want to do any vow. Parce que je pourrais ne pas accomplir. Because I may be not able to complete them. Attention, attention. Be careful. Ça c'est le diable qui te parle. This is the devil speaking to you. La parole de Dieu dit. The word of God says. Fais des vœux. Do vows. Et accomplissez-les. And complete them. Si tu te dis.
If you tell yourself, je ne veux pas en faire, I don't want to do so, parce que je risque de ne pas accomplir, because I may not be able to accomplish, tu es déjà disqualifié. You are already disqualified. Tu es déjà disqualifié. You are already disqualified. C'est une transaction sincère. It's a sincere transaction. Dieu ne te force pas. God is not forcing you. Mais c'est utile. But it's useful. Pour élever ton intercession. To rise your intercession. Pour élever tes supplications. To rise your petitions. L'esprit de révélation veut. The spirit of revelation wants. Que tu saches que le vœu est nécessaire. Wants you to know that the vow is necessary. The vow is necessary. Le vœu est un engagement. It is a commitment. C'est une promesse à Dieu. It's a promise to God. Qui t'attache à Dieu. Which attach you to God. Qui te fait manifester un autre niveau de culte. Which make you to show another level of cult. On n'achète pas les faveurs. They don't buy favors. Dieu ne te dit pas, donne-moi 10 000 francs, je vais te bénir. God is not telling you, give me 10,000 francs, I will bless you. Mais c'est toi qui dis à Dieu. But you are the one who tell God, si tu me bénis, if you bless me, je vais t'aimer davantage. I will love you more. En faisant telle chose, by doing such thing, je vais t'aimer davantage. I will love you more. En consacrant ma vie à la prière, by consecrating my life to prayer, je vais t'aimer davantage. I will love you more. En consacrant ma vie aux jeûnes, by consecrating my life to fasting, je vais t'aimer davantage. I will love you more. En t'offrant telle somme, by offering such amount of money, pour l'entreprise missionnaire, for the missionary enterprise, pour le quartier général, for the headquarters, je te ferai telle chose, I will do such thing and this one. Le vœu n'est pas banal. The vow is not a simple thing. C'est le fruit d'une transaction It's sincère. The fruit of a sincere transaction. Un enfant de Dieu qui a la foi. A child of God who has faith. Qui croit. Who believes. Que Dieu est avec lui. That God is with him. Qui croit qu'il peut causer avec Dieu. Who think that he can chat with God. Qui peut coopérer avec Dieu. He can cooperate with pour God. Pour changer les circonstances. He can change circumstances. Et Dieu honore ce genre d'engagement. And God honors this kind Et of Dieu commitment. Honore ce genre d'engagement. And God honors this kind of commitment. Dieu, oh Père. So Father. Oh Père. Oh Father. Accepte-nous. Accept us. Accepte-nous. Accept us. Exauce-nous. Grant our prayers. Exauce-nous. Grant our prayers. Accepte nos vœux. Accept our vows. Et exauce-nous. And grant our prayers. Continue à prier. Keep on praying. Retournons à nos places. Let's go back to our seats. Qui a quelque chose à dire? Who have something to say? Alléluia. Amen. Que chacun regagne sa place. Let everybody go back to his seat. L'année passée, lors des renversements des principautés, j'avais demandé à l'Éternel s'il donnait du travail à ma fille, et puis j'avais fait un vœu. J'ai engagé mon vœu, et puis il a ajouté encore. Donner encore du travail à mon fils. Amen. Dieu est fidèle. Acclamation. Clap. Qui d'autre avait fait un vœu l'an passé et il a été exaucé? Who else did a vow last year? Qui est là? And God granted his prayers oui, viens, and his year. Viens rapidement. Come quickly. Viens montrer que l'évangile est vrai. Gloire à Dieu. L'année passée, j'ai fait un vœu à Dieu. Je lui ai demandé s'il donnait du travail, s'il emmenait mon fiancé ici à Abidjan, qu'il lui donnait un travail ici. Nous allons lui donner son premier salaire. Et Dieu s'est manifesté en l'emmenant à Abidjan et en le bénissant avec le travail. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'année dernière, j'avais fait un vœu effectivement à l'Éternel. J'avais une maison qui était bloquée depuis près de 14 ans. Et j'avais fait un vœu à l'Éternel pour que cette maison me revienne. Et quand je suis rentrée après la croisade, cette maison m'est effectivement revenue et j'ai donné mon vœu à l'Éternel. Amen. Offrant d'acclamation, Jésus ne ment jamais. He never lies. Moi, j'avais fait un vœu pour mon concours d'inspectorat et je n'ai pas attendu le résultat. J'ai donné le vœu ici avant qu'on ait le résultat et quand le résultat est sorti, j'ai été admise
Donc je ne vais plus à 60 ans, mais je vais à 65 ans. Offrande d'acclamation. Exaucé. Exaucé. Suivant. L'année passée, j'avais fait un vœu. Mon papa était malade. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il guérisse mon papa. Et je lui ai fait un vœu. Et il m'a exaucé. Et j'ai fait mon vœu. Amen. Offrande d'acclamation. Clap. Jésus ne ment jamais. Jesus never lies. Gloire à Dieu. L'année passée, j'étais désespérée au sujet de mon petit frère. Et au 10e jour de la croisade, j'ai fait un vœu à Dieu. Et le Seigneur m'a exaucé avant la fin de la croisade de l'année passée. Mon petit frère a donné sa vie à Jésus de manière authentique. Et nous l'avons vu ici. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Jésus ne ment jamais. Jesus never lies. Gloire à Dieu. L'année passée, au renversement des principautés 2021, j'avais fait un vœu au Seigneur. Mais j'avais donné ce que je devais lui donner avant le résultat. J'ai présenté le concours de CAFOP et j'ai demandé au Seigneur qu'il m'accorde le concours avec succès. Et le Seigneur l'a fait. Ma petite sœur souffrait de la dépression et j'ai fait un vœu. J'ai demandé au Seigneur qu'il la guérisse, qu'il la délivre de la dépression. Et le Seigneur a accordé. Il a délivré de la dépression. Amen. Amen. Acclamation, Jésus n'a Clap pas changé. Jesus, gloire he à has Dieu. Not changed. L'année passée, j'ai fait un vœu à Dieu où mon fils cherchait du travail depuis longtemps. À la première semaine, j'ai commencé la prière et je me suis rappelé qu'il fallait faire un vœu. J'ai fait le vœu, en même temps l'a appelé. Il est parti. Jusque-là, il est à Yamsokro. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait. Après, j'ai fait mon vœu en décembre. Amen. Acclamation, Jésus n'a pas changé. He has not changed. L'année dernière, quand je suis arrivé, j'avais fait un vœu à l'Éternel dans le domaine d'entrepreneuriat. S'il me bénit avec une meilleure mission en tant qu'auto-entrepreneur, je lui donnerai 12 000 euros du chiffre d'affaires. Et il a fait et j'honore le vœu. Amen. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Il écoute les cris de son peuple. Gloire à Dieu. J'avais demandé au Seigneur de me bénir avec le bac D cette année une seule fois et j'ai fait un vœu. Effectivement, le Seigneur m'a béni avec le bac et j'ai honoré mon vœu. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Has not changed. Gloire à Jésus. L'année passée, ici à Tékoua, j'ai fait un vœu au Seigneur. Je lui ai dit de donner du travail à deux de mes enfants, sage infirmière et professeur, que si la fille a eu le concours de l'INFAS, elle va lui donner son premier salaire. Le Seigneur m'a béni. Il a donné travail au garçon et à la fille. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Gloire à Dieu. L'année passée, j'ai fait un vœu au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, je veux telle somme. J'ai dit la somme que je voulais au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes telle somme, mon premier salaire va te revenir. Et le Seigneur m'a béni avec le travail. Non seulement il m'a donné cette somme et il a dépassé même. Jésus-Christ. J'ai donné mon premier salaire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Suivant. Alléluia. J'ai fait un vœu au Seigneur pour mes deux enfants. Ma fille est ici, le Seigneur a permis, elle est enseignante. Alléluia. L'autre qui est au Burkina, il était au Bénin. Il est parti au Burkina, il a passé le CAFOP, il est enseignant. Je rends gloire au Seigneur. Amen. 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 Jésus-Christ n'a pas changé. Gloire à Dieu. J'avais fait un vœu au Seigneur pour qu'il m'accorde la réussite au concours en 2020. Je lui ai dit que s'il m'accorde le concours, je vais lui donner le tiers de mon rappel. Et le Seigneur m'a accordé le concours. Et j'ai honoré le don. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation à Jésus-Christ qui n'a pas changé. Has not changed. Gloire à Dieu. Moi, c'était au moment où on priait les vendredis, les veillées. Ce jour-là, on était parti le 25 février. Et papa a donné le même sujet avec Jabet. Il dit, celui qui fait un vœu... Et il n'a qu'à donner les sujets avec un vœu.
J'ai dit au Seigneur que je cherche un travail. Il n'a qu'à me donner le travail. S'il me donne le travail, je vais lui donner mon premier salaire. Et j'ai fait le vœu. Le 1er mars, on m'a appelé, j'ai commencé à travailler. J'ai honoré mon vœu. Jésus que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Gloire à Dieu. Vraiment, 2021, j'avais fait un vœu à l'Éternel. Je lui ai dit, ma maison qu'on m'a arrachée, ce que le Seigneur me donne, et le Dieu Tout-Puissant m'a donné mon héritage de maison, et la passion de mon défunt mari, Dieu a tout fait, ça n'a même pas mis du temps, et j'ai reçu la passion. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai promis à notre Seigneur Jésus-Christ une enveloppe. Et dès quand je suis venu, j'ai donné l'enveloppe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Clap. Acclamation. Clap. Si tu as fait des vœux, if you did vows, à un féticheur, to a magic doctor, c'est un crime. Vous voyez, Dieu même, Dieu dit des vœux. God deserves our vows. Si tes parents l'ont fait, if your parents did it, c'est très mauvais. It's very bad. Avant de nous séparer, ça doit être annulé. Annulé. We need to cancel all of them. Il y a une sœur qui était partie. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que comment elle s'appelle? C'est Deborah. Est-ce qu'elle est là? De Kumasi. Is sister Deborah of Kumasi here? Qui était partie chercher l'argent chez un marabout? Who went to seek money to a magic doctor? Avant la fin. Elle est partie, elle voulait un mari. She wanted a husband. Elle voulait l'argent. She wanted money. Et les esprits ont commencé à la tourmenter. And spirits started tormenting her. Elle l'a chassée. She casted them out. Mais les esprits étaient toujours là. But they were still there. C'est quand elle a dit, elle a reçu dans son intuition qu'il faut annuler ce qu'elle avait demandé. C'est-à-dire annuler la demande de mariage et d'argent. It's when she received in her mind that she need to cancel a request for money and marriage. C'est that the spirit. Dès qu'elle a déclaré ça. As soon as she declared that. Les esprits se sont retirés. The spirit left. Il y a des liens parce que tu as dit donnez-moi. There are links because you said give me. Il y a des liens parce que tu as dit je reviendrai. There are links because you said I will come back. L'un des démons coriaces que j'ai rencontré, c'est un esprit qui disait que on me l'avait amené pour la protéger. One of the most wicked spirits that I met said she was sent to me to protect her. Et ils sont venus la chercher. And they came and looked for her. Et ils ne m'adorent plus. And they are not worshiping me. Nous aussi. Again. Nous ne voulons pas qu'elle aille à l'école. So we don't want her to go to school. Ce sont des engagements dangereux. There are dangerous commitments. Je reviendrai te dire merci. I will come back and thank you. Même si ton père a dit ça. Even if your father said. Tu n'es pas libre. You are not free. Vous verrez qu'après cette prière. You see that after this prayer, on va entrer dans une autre série de délivrance. We'll enter into another series of deliverance. Parce que les fondements sont cassés. Because the foundations are broken. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Qui a fait de nous des sacrificateurs? Who made us priests? De Dieu. Of God. Our Father. Nous annulons tous les vœux au marabout, au féticheur. All the vows of a marabout or a fetish maker. Dieu, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous détruisons tous les liens. We destroy all the ties. Établis parce qu'on a donné les premiers salaires aux parents de donner à Dieu. Because we gave our first salaries to our parents to give it. Dès que tous les liens all the ties établis sur nous. Settle on us. Parce qu'on a donné aux hommes ce qu'on devait donner à Dieu. Because we gave to men what we must give. Que ces liens soient brisés. We break all those ties. Et que toute la malédiction attachée à ces liens
C'est loin de nous. And we cast out all the curse linked to this. Que toute la pauvreté attachée à ces all the poverty linked to this curse. Attachée à ces dons. To these gifts. C'est loin de nous. We cast them out. Lève ta main droite. Put up your right nous hand. Nous bannissons tous les enfantements. So we banish all the enchantments. Qui ont été rendus possibles par cette manière de faire. Which are allowed by this way of doing. Continue à prier maintenant pour dégager tout. Keep on praying tout, to remove everything. Nous proclamons say, I proclaim que c'est à notre Père that it is to our Father, qui est dans les cieux who is in heaven, qu'appartiennent nos vœux, that belong our votes, nos dons, our gifts, nos dîmes, our tithes, nos offrandes, our offerings, nos prémices, our prémices, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus, continue à proclamer. Keep on praying. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons toutes les réclamations. We judge all the claims. Nous les jugeons, nous les we jugeons, judge nous les jugeons. Them, judge them, judge them. Nous ordonnons du silence. We order silence. 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 Nous jugeons les dépressions. We judge depression. Qui sont le fruit de ces menaces. Who's a fraud of this treatment. Nous jugeons tous les mariages de nuit, tous les maris we de nuit. Judge all the marriages of spiritual husbands. Qui sont attachés à ces engagements. This commitment. Tout. All of them. Toutes les maladies. All the sickness. Qui proviennent de ces engagements. Coming from this commitment. Nous les jugeons. We judge all of them. Toute la pauvreté. All the poverty. Qui provient de ces engagements. Coming from this commitment. Et de ces dons sans intelligence. All those gifts without intelligence. Toute la pauvreté. All the poverty. Qui provient de ces dons. Coming from those gifts. Sans intelligence. Without intelligence. Qui provient du fait qu'on a donné aux hommes ce qu'on devait donner à Dieu. Which come from the fact that we gave to men what we nous should have given to God. We destroy all of them. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. We proclaim the victory of Jesus Christ. Continue à prier. Keep on praying. Veuillez vous asseoir. Please sit down. Asseyons-nous. Please, let's sit down. Tu gardes le calme. You keep quiet. Vous savez, si on ne garde pas le calme, certaines personnes tombent sous les chaises, on ne sait pas qu'ils sont tombés, on peut les oublier là-bas. Quand il y a le calme, on peut identifier où l'ennemi est en train de se manifester. We need to be quiet so that we can identify where the enemy is showing himself. Attendre que le Saint-Esprit donne une orientation.
And we must wait for the Holy Spirit to lead us. Mais cette prière, and this prayer est très importante. Is very important. Je reçois que beaucoup n'ont pas la révélation des vœux. I can receive that many don't have a revelation about vows. Ils ne comprennent pas. But don't understand. Dis, oh Père. Say, oh Father. Ouvre mon esprit. Open my mind. Je ne veux pas agir sans révélation. I don't want to act without revelation. Les vœux font partie du combat spirituel. Vows are part of a spiritual warfare. Et les vœux élèvent l'intercession. And vows rise up the intercession. À un autre niveau. To another level. Vous avez écouté les témoignages. Certains ont fait des vœux pour la guérison. Some did vows for healing. Ils ont été exaucés. And God granted their prayers. Dieu n'est pas un bandit. God is not a bandit. N'aie pas peur. Do not fear. De faire le vœu. To do the vow. Ton vœu, quand il est sincère, est une mesure. Your vow, when it's sincere, is a measure. Ça jauge ta consécration. It measures your consecration. Je vous ai exaucé. Je vous ai exaucé. Je vous ai exaucé. Ne doutez point. Nos vœux sont en train de travailler au ciel. Our vows are working in heaven. À la maison, at home, travaillez sur les idoles. Work on the idols. Et travaillez sur les vœux à Dieu. And work on the vows to God. Faites des promesses à Dieu. Do promises to God. Et demain, and tomorrow, nous allons traiter le dossier des envoûtements. We'll treat the file of enchantments. Personne ne doit continuer sous le joug de l'envoûtement. No one should remain on the yoke of enchantment. Dès que tu te réveilles, as soon as you wake up, oh Dieu, exauce-nous. Oh Lord, oh God, grant our prayers. Oh Dieu, exauce-nous. Oh God, grant our prayers. Amen. Amen.